est sorti de prison. Tu vas voir ici, c'est le paradis. En trois jours, t'auras tout compris. Moi, ça fait 15 ans que j'attends ce moment, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai vu dans les journaux qu'on avait braqué 2 millions et demi d'euros. Eh, elle est où ma part? On va tout expliquer, Mehdi. Expliquer quoi? Il y a une grosse crise financière et l'oseille est partie en fumée. J'ai senti la haine dans tes yeux, Mehdi. C'est pas le con, hein. Les deux bars que j'ai sur Patong, le Money Night, je te le donne, frère. Mais s'il te plaît, si tu prends le bar, prends les problèmes qu'il y a avec. C'est quoi les problèmes? Le chétan est de retour. Ici, t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu veux? J'aime pas qu'on vienne bouffer dans ma gamelle ou dans celle de mes amis. T'as compris? J'ai vu, tu me menaces. Il est en train de faire ce qu'on n'a jamais été capable de faire en 5 piges. Va rentrer chez toi. Qui va me faire rentrer chez moi? They must not know who I am if they're only asking for $2 million. I think they don't care who you are. Si tu crois que la violence ne résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort. On fait quoi? On va se laisser faire? Qu'est-ce qu'il veut ton frère, hein? Je te dis qu'il veut tout. Il veut sa part. J'ai l'impression d'être acculé contre un mur, j'aime pas ça, regarde. Je vous rappelle, vous étiez tous bien d'accord pour prendre sa part. Bon, ferme ta gueule, toi! Depuis que ton frère est revenu, tu m'as l'air bien nerveux. Ah, mais c'est enfin là, putain, t'es mort! On a tout construit ici, jour après jour. Là, on est en train de tout perdre. À quoi ça sert tout ça? Tu sais qui je suis, est-ce que je pense? Ma vie, elle est foutue depuis longtemps.